Alors aujourd'hui, petite vidéo sur mes impressions sur le full moon de chez Exoterra. Donc c'est la petite lumière que vous allumez, qui s'allume une fois que la lumière de la pièce s'éteint. C'est une petite lune qui va s'allumer dans votre terrarium. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller voir dans mes vidéos où je fais le tuto du full moon Exoterra, enfin l'unboxing. Pardon. Donc j'ai attendu quand même pas mal de jours pour voir un peu comment allaient réagir les reptiles. Ici j'ai le désertique, là j'ai le tropical. Donc chez Moutarde, c'est le début, donc je sais pas vraiment comment elle réagit. Malgré que j'ai vu qu'elle pouvait sortir le soir et ça me permettait de l'observer, donc ça c'était pas mal. Côté Pixel, lui c'est le gros touriste, donc là franchement ça fait vraiment plaisir. J'ai pu observer plein de choses que j'avais du mal à observer avant, car tout simplement dans le bas du terrarium je mets un petit récipient où je mets les grillons, je le voyais jamais aller dedans. Maintenant grâce au full moon, donc il y a une petite lumière qui éclaire vraiment vraiment peu. Et on voit, enfin, il n'y a pas de lumière qui arrive jusqu'en bas. Donc, enfin, je veux dire, pas énormément de lumière. Donc, j'arrive à le voir. Mais les vidéos sont difficiles car, il y a tellement peu de lumière. Je ne sais pas prendre des vidéos. Maintenant, c'est agréable de le voir sortir le bout de son nez. Et j'ai même vu un changement dans sa façon de faire dans le terrarium. C'est qu'il va se mettre tout en haut sur sa noix de coco. Et il regarde dans le terrarium. J'ai vraiment vu qu'il observait un peu le terrarium. Et même pour vous montrer que ça le gêne vraiment pas, j'ai même pu prendre une vidéo dans laquelle il se trouve carrément sur le full moon de chez Exoterra. Et ça a l'air de lui plaire. Donc pas de changement dans le caractère de Pixel. Que du contraire, j'ai vu des améliorations où je peux même m'approcher près du terrarium sans qu'il commence à partir dans ses plantes comme il faisait avant avec quand j'ouvrais la lumière de ma chambre. Ça c'est le meilleur exemple, quand j'ouvrais la lumière qui se trouve dans la chambre, tout simplement il partait se réfugier dans les plantes. Maintenant je peux même coller mon visage sur la vitre du terrarium et il m'observe vraiment, l'air de me dire c'est quoi ce clown. Donc voilà, moi je vous dis que l'investissement, c'est un très bon investissement. Maintenant, ce que je conseille, chacun va faire à sa sauce. Car je pense que dans la Terrario, c'est comme un bon père de famille. Chacun prend ce qui lui plaît et maintient son animal comme il pense être bon. Donc voilà. Moi ce que je peux conseiller c'est que je laisse 2 heures le full moon. Comme ça, ça me permet d'observer l'animal. Donc je pense que il vient de se réveiller, il commence à bouger dans son terrarium. Maintenant, moi je parle des nocturnes. Hein, parce que je fais pas. Je pense pas que c'est intéressant pour les diurnes. Enfin, ça c'est une autre polémique, mais moi personnellement j'en mettrai pas. Maintenant, il commence à sortir de son terrarium. Je mets 2 heures, 2-3 heures la lampe. 3 heures. Et puis, quand je vais dormir, elle s'éteint tout simplement. J'ai pas envie non plus d'avoir un cycle de lumière toute la nuit. Je pense que c'est juste pour l'observation, pour qu'il commence à. Pour pouvoir l'observer vraiment. Mais je pense que la nuit, ça c'est mon avis personnel, je pense que ça pourrait peut-être le gêner. Je dis pas que ça va le gêner, ça pourrait le gêner. Mais en même temps, je préfère qu'il ait une partie bien sombre la nuit. Comme ça, je suis sûr que tout va bien. Donc, je vais vous montrer 2-3 vidéos que j'ai pu prendre avec Pixel et Moutarde. Donc voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter et surtout de vous abonner. Allez, salut, ciao, ciao, bye bye. Quand la lune apparaît, je montre le bout de mon nez. Donc vous pouvez voir que il se met en quête de chasse dans le terrarium. Donc c'est une lampe qui lui plaît pas mal. Je pense qu'il arrive à mieux voir dans le terrarium. Alors ici, petite démonstration de l'éclairage pour vous montrer que ça n'éclaire vraiment pas jusqu'en bas.
Donc pas d'inquiétude. Et donc vous pouvez constater que ça ne le gêne absolument pas. Et même il a trouvé du réconfort près de cette lampe. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, Moutarde semble pas trop dérangé par cette lumière malgré qu'elle vient d'arriver.